Les coins les plus touchés par cette pénurie d'eau potable sont par exemple les avenues les plus chaudes de la ville, comme l'avenue du 8 mars, Surprise, Patounoki. Les autres avenues comme Malembe, Ndembe, Mbungu et Kimbombo ne sont pas épargnées par cette rareté d'eau. Ce mardi matin, on pouvait apercevoir sur les principales rues de la ville portuaire plusieurs centaines d'hommes, femmes et jeunes, tous des bidons jaunes à la main, se déverser parfois dans des sources impropres pour s'approvisionner. Ils affirment que cette situation dure depuis plusieurs mois. Passe ya mai e bandakala. Passe ya mai e umeli mikolo ebele. Mai tokoma ko swana délestage. Délestage yango une fois na semaine. Donc na sanza mobimba tokozwa mai 4 fois. Alors 4 fois na peso yate. Mai ezo yate na 4 fois na na sanza mobimba, mais bazo ko tikela biso ba facture. Biso peuple tozonyo rampo na mai. Tocho toka mai wapi na ngambo koka kuna. Il faut faire un peu de conduire tout à ma bangamba coca. Ojis, ce qui est conduit, c'est que je suis en salaté. Pour sa part, Léon Zaboli, un des notables de la ville portuaire, déplore cependant la sourde oreille des autorités de la régie des eaux et projette une marche pacifique dans les jours à venir pour réclamer les rétablissements d'eau dans la ville. Les lois sont belles, elles sont belles, elles sont belles, elles sont belles, elles Yangona biso na ville matadi toni to sala marche to kenena na bureau ya régie des zones à ville chaque maman aya na bidon na ya vite to marcher to keno ko interpeller ba konzi ya Congo central pe ba konzi ya niveau national ba ye ba ke pourquoi Il s'y est signalé que les spécialistes de santé redoutent déjà l'apparition des maladies d'origine hydrique si cette situation reste persistante.